En cette fin du mois d'août, la rentrée scolaire approche en France et dans la région pour des milliers d'élèves à l'école primaire, au collège et au lycée, mais aussi pour des dizaines de centaines de milliers même d'étudiants dans France et dans les universités lilloises. Le temps est donc aujourd'hui aux inscriptions, même si cela ressemble à un véritable parcours du combattant parfois pour certains. Si dans l'ensemble des cas tout se passe très bien, s'inscrire à la fac peut s'avérer compliqué, notamment pour les étudiants étrangers pour qui les équivalences ne sont pas toujours reconnues ou pour ceux qui souhaitent transférer leur dossier d'une université à une autre. Les syndicats étudiants réclament ainsi que les inscriptions, aujourd'hui centrées sur Internet, soient à nouveau matérialisées face au personnel de la fac pour plus de compréhension pour les étudiants, comme l'expliquent justement ces quelques étudiants lillois rencontrés hier sur le campus par Tanguy Lécluse. Ça va faire du bien de retrouver ici l'île 3 animée, voilà, tous les jours. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire, parce que je suis pas d'ici, j'ai un appartement à trouver, un emploi étudiant aussi à trouver, donc c'est pas évident, j'essaie de pas trop stresser quand même. Aujourd'hui, on est venu ici pour pouvoir inscrire ma petite sœur qui a eu son bac cette année en Algérie. D'après l'une des dames ici, elle nous a dit qu'elle était même pas sûre que Imen puisse être inscrit cette année ici.